Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Oh, je suis tout sauf aveugle, mon Sterling. Oh, oui, vous voulez devenir une pince, Cooper. Oui, moi j'entends bien, j'entends bien. Vous voulez devenir une pince. Oui, allô. Oui, allô. Et vous m'entendez là? Oui, je vous entends, oui. Ah, super, vous avez demandé un taxi, non? Oui, oui, c'est Sterling et Cooper, avocat au gros barreau. Ah, monsieur Sterling et Cooper, bah écoutez, je m'occupe de vous, j'arrive de suite, c'est bon. À tout de suite, monsieur. À tout de suite. Voilà, j'ai appelé le alors, taxi, j'ai dit. Figurez-vous. Oui, je figurez-vous, me figure, je figurez-vous, me figure. Figurez-vous, mon cher Cooper, j'ai reçu un mail. Oui. Qui annonce que demain a lieu le procès de notre client qui est censé nous payer par semaine, d'ailleurs à ce titre. Oui. Pour l'histoire du garage Motor Drift. Oui. Voilà. C'est demain à 22h. Merci, Agence Adam, pour le 20e mois. Le procès aura lieu devant le juge avec avocat de la partie adverse, etc. Moi, ce qui m'étonne, c'est que je pensais qu'il y avait deux affaires qui étaient réglées dans cette histoire et ça serait bien qu'on voit la partie adverse et oui. Le procureur s'il y a une plainte ou en tout cas la partie adverse pour entamer des pourparlers. Pourparlers qui serviront soit à trouver un terrain. Est-ce que tu peux envoyer un pays réponse et leur proposer mardi plutôt, mon petit Sterling? Oui, parce que demain je ne peux pas aussi. Oui, bah oui. Voilà, j'ai décidé. C'est comme ça. Mais tu décides. Eh ben, il faut qu'ils comprennent que des avocats ont du boulot. Donc, dis-leur mardi. Mardi, 22h s'ils veulent, mais mardi. D'accord, mais je renverrai un mail. Tu renverras. En attendant, on va aller à la supérette à côté. Oh bah dis donc, le texte vient changer. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Bonjour. C'est mon véhicule personnel, vous voyez pas d'inconvénient? C'est vous monsieur Spanish. Eh oui, c'est moi. Elle voit pas d'inconvénient. Oh, bah, oui, emmenez-moi la supérette la plus près s'il vous plaît. Il faut que j'achète de l'eau. La supérette, hein. Juste avant la supérette, amenez-nous un parking central, ça suffira. Un petit parking central. Non, une supérette, allez juste derrière. Non, n'écoutez pas, c'est moi qui paye la supérette à côté. Non, mettez-vous d'accord. Mais mettez-vous la supérette, j'ai très soif. Là, j'ai vraiment très très soif. Donc amenez-moi la supérette juste derrière. Un parking central, je lui donnerai de boissons s'il vous plaît. La supérette, allez, tenez. Allez-y, ouais, faut partir au parking central. Superette. Moi je vous propose, on va à la superette et c'est sur le chemin du parking central. Voilà. Bon, ça, faut le dire plus tôt, monsieur. Vous allez bien, monsieur? Bah, dis donc, monsieur. Oui. Ah, oui, d'accord, vous montez sur les trottoirs, d'accord. Bah, oui. Vous allez bien? Et vous avez pas vu la conduite de la ville, comment ils conduisent les gens? Oui, mais. C'est très choquant. Nous connaissons la loi, mais nous avons rarement vu ce genre de truc. Écoutez, je suis pas sapré, monsieur. Ah, grâce à vous, là, franchement, je mène une vie paisible. Avez-vous des petites nouvelles à nous donner concernant monsieur le procureur? Pas vraiment. D'accord. Mais je sais qu'il se trame des trucs. Il y a. Comment il s'appelle là? Un de mes amis, là, un certain Lewis, là, il a été envoyé en fédéral sans avocat. Ah oui, oui. Du procureur. On doit s'occuper de lui. Le procureur n'a pas à donner sa langue au chat. C'est bon, c'est pas. Si je peux me permettre, monsieur, c'est Sterling, c'est ça? Oui, voilà, c'est Sterling. Si je peux me permettre, monsieur Sterling, là, je vous conseille d'aller dans des supérettes agréées, là, parce que là, c'est des arnaqueurs, ça, là. Oui, ben, j'ai pas trouvé un truc où ça arnaque pas, monsieur. Croyez-moi, combien vous avez payé? Trop cher. 64$ là. On regarde Sterling se coucher du soleil comme il est beau. Sterling, tu vois le coucher de soleil? 240$ là. Sterling? Oui, bonjour. Oui, tu as vu le coucher de soleil? Bah, c'est trop tard, il est passé. Attendez, bougez pas. Ah, je bouge pas, non? Oui, ça fait plaisir, la course est pour moi. Oh, merci monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Je bien ça, mes avocats. Merci monsieur. Passez une bonne journée, hein. Considérez ça comme un supplément de paiement. C'est un supplément. Ça supplément. On est d'accord. Ça supplément. Passez bonne soirée, attention à vous. Ouais. Je pense que l'eau, elle était pas fraîche. Oui, j'ai bien l'impression aussi, hein. Ça commence à me casser vraiment les rotules. Oui, il faut faire un effort, Sterling. Allez, oui, non, mais ça commence à me briser les... Venez, Sterling. Oui, bah toujours du coup, je voulais dire un truc à monsieur Spanish. Tu voulais lui dire quoi? Pour l'autre procureur. Oui, Cooper. Oui, vous allez bien, Sterling? Oui, ça va bien. ça m'agace. Vous êtes passé en orange, comme je vous ai dit? Oui, je suis orange, je suis bleu, je suis vert, je suis tout rouge. Je comprends votre agacement. Non, mais ça fonctionne, Cooper.
Faut juste que je rappelle Ricky Spanish parce que j'ai pas pu lui dire que je voulais pour le. Ah bah rappelle-le ouais, tout de suite. Je le rappelle. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends, Sterling. Sterling? Cooper. Oui, Sterling. Oui, ça va, Cooper. J'ai oui. pas le numéro de Spanish. Bah, non plus. Alors, comment veux-tu le rappeler? Bah, appelle les textes. Envoie un message. Dis que t'as besoin de parler à Ricky. Oui, allô, monsieur. Oui, monsieur Spanish. C'était par rapport à la dernière fois à la demande que je vous avais faite. Oui. D'accord. Demain, je ne serai pas là. Et vous pouvez pas l'organiser sans elle, ce truc. D'accord. Bon, on en reparlera ultérieurement, d'accord. Oui, je connais la loi. Oui, y a pas... Oui, allô. On fait ça, oui, monsieur. Allô, monsieur. Au revoir. Et c'est bien Maître Cooper. Oui, c'est Maître Cooper. Oui, bien évidemment. Oui, c'est Monsieur Montmirail, lycée de justice. Oui, bonjour Monsieur Montmirail, comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, ça va très très bien, dites-nous tout. Bah parfait. Je vous appelle concernant le procès du Drift Motors. Nous avons une date et une heure. Alors, justement, on a répondu par mail, mais on ne sait pas si ça arrivait à temps. On n'a rien répondu. On n'a rien répondu, mais nous avons répondu quand même. Donc, est-ce que mardi, ce serait possible à 22h, même heure, monsieur? Je peux voir avec le monsieur le juge, oui. Ce serait très agréable de votre part, monsieur. Mais écoutez, je vais voir avec monsieur Ivlaf et puis je vous recontacte. On se recontacte, vous me recontactez, je vous recontacte, nous connaissons la loi. On se recontacte alors. À très bientôt, nous recontacterons, monsieur. Très bien. Au revoir. Dis-lui bien qu'on se recontacte, Cooper. Oui, je lui ai dit, il nous recontactera, Sterling, il nous recontactera. Bon, c'est une bonne chose. Maintenant, tâchons de rencontrer. Le commandant. Le commandant et la partie adverse. L'avocat de la partie adverse de Montmirail. Sterling, petite question. Que je peux vous poser, êtes-vous aveugle, Sterling? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Cooper? Oui. Quelles sont les deux premières lettres ici? LS. Oui, quelles sont les deux dernières lettres ici? Pidi. Dites-moi tout. LS Pidi. D'accord, très bien, Sterling. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire d'ailleurs? Oui, ça veut dire Los Santos Police Department. Exactement, Sterling. Donc voilà. Nous sommes au bon endroit. Tout ça pour vous dire que nous sommes au bon endroit, Sterling. Voilà. Ah, donc... Mais c'est bien LSPD. D, c'est ça. Voilà, c'est D, ça, c'est bien ça. D'accord. Bon, j'espère que le capi commandant est là. Hein. Oui, tu parles du procureur, quoi. Oui, bien sûr. Non, le commandant. Oui, non, mais a priori, c'est lui le commandant. Oui, bon. Toujours dans la blague et la finesse, mon ami. Ah oui, toujours, Cooper. Ah bah tiens, regardez, quand je parle de la bite... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Très bien, monsieur, vous allez bien? Est-ce que vous pourriez contacter l'avocate Harley Davidson, s'il vous plaît, monsieur? Bah, je vais l'avocat. Dites-moi, est-ce que le commandant est là, s'il vous plaît, monsieur? On a besoin de la rencontrer le commissariat. Malheureusement, je ne pense pas actuellement. Vous ne pensez pas, d'accord, très bien. C'est ça. Ça vous est déjà arrivé, monsieur? Pardon? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce qui m'est déjà arrivé? Mais de penser, monsieur. Absolument, pourquoi? D'accord, non, mais c'est une question, je m'interroge. Bien sûr, vous êtes tout à fait en droit de vous interroger. Vous êtes très mignon, monsieur, et vous êtes très beau aujourd'hui, sachez-le. Oui, très, très, tout en beauté. Oui, ça répond pas. Merci bien, comme à votre habitude, vous êtes pareil. Bonne soirée à tous. Pareil. Merci beaucoup, monsieur. Nous apprécions tous les compliments et nous les prenons, nous connaissons la loi, monsieur. Nous connaissons... Moi de même, monsieur. Eh ben, nous n'avons plus rien à faire ici, monsieur. Non, mais on attend. Elle va venir, monsieur le procureur. Bah, je l'appelle, elle répond pas. Attendez, je vais rappeler, mais... Mais oui. Parce qu'elle est dans une affaire, on a un procès dans deux jours. Je suis avec vous, monsieur. Pardon, monsieur. Moi-même. Oui, alors, les commissions pour les entretiens, c'est une rémunération à l'heure. Oui, non, mais pour moi. Non. Mais attendez, vous êtes qui, vous? Carmel, créance en président. Ah, vous allez... Bah oui, bah, on devait discuter, en plus. Absolument. C'est le nouveau président? Non, c'est l'ancien. D'ailleurs, la nouvelle présidente, plus de son, plus d'image. Hein. Et vous êtes policier, maintenant, c'est ça? Non, je suis directeur général du FIB, c'est différent. Oui, du FIB. Et pourquoi vous n'êtes plus président, monsieur? Mais oui, mais vous étiez un bon président, monsieur. Et elle s'appelle comment, cette dame? Jane Lewis, d'accord, très bien. Elle est compétente. J'ai son numéro, mais je crois qu'on la verra. Elle a été formée par mes soins. Peut-être jamais. Tu as le numéro de qui, Cooper? Mais de la présidente. D'accord, très mais, bien. Mais elle n'est pas là quand nous sommes. 506. Je crois que ce soir, elle n'est pas là, elle est en repos. Voilà, donc, elle est en repos parce qu'elle est là le matin de 8h à 8h10, ça part. Et l'avocate Harley, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là, de 8h30 à 8h35, Sterling. D'accord, je note. Mais oui, mais il faut noter les horaires quand même. Bah, monsieur l'ancien président, est-ce que vous voulez qu'on aille discuter maintenant ou plus tard? Ouais, très bien si vous avez le temps. Allez, on vous écoute. On vous écoute. Monsieur, moi. Vous avez une chemise Lacoste, monsieur. Ah, c'est une veste. Mais monsieur, mais c'est une fausse veste. Votre crocodile, il est à l'envers, monsieur. On reconnaît. Nous connaissons la loi. Absolument. Vous connaissez la loi, mais pas les marques. Ah si, c'est une fausse veste. Ah, vas-y, justement, monsieur. Oui, très bien. Déjà, il est mis derrière. Et ensuite, il est à l'envers. Ah oui, bon. Ou peut-être avez-vous une veste rétractable
Alors dites-nous tout, monsieur le président. Non, je ne suis pas du genre à retourner ma veste, si vous voulez savoir. Je veux savoir, monsieur le président. Alors, je vais vous expliquer. J'ai un agent donc à moi. Je m'assois en trois étapes, bougez pas, attendez. Alors, comment s'appelle cet agent, monsieur? Monsieur Miller-Pierce, qui va potentiellement subir des poursuites judiciaires concernant un acte répréhensible qu'il a commis. C'est-à-dire, dites-moi plus. Alors, cet homme était donc fiancé et donc avait demandé en mariage une femme, Angela Alvarez, qui est malheureusement décédée lors d'une opération de police. Paix à son âme, paix à son âme. Bien évidemment, paix à son âme. Le soir même, lors du dispatch de police qui a suivi en haut, des messieurs se sont amusés, entre guillemets, à l'étage, parce que la salle de dispatch est à l'étage. D'accord. Donc des agents se sont amusés à dire est-ce que vous savez ce que ça fait de perdre des gens chers, en le faisant exprès bien évidemment à cet agent en particulier qui venait de perdre sa femme. D'ailleurs sa femme qui était enceinte. Oh mon dieu, c'est terrible ce que j'entends. De 3 mois. Toutes mes circonscriptions. Merci bien. Toutes mes circonférences, monsieur. Et toutes les circoncisions. Et toutes les circoncisions. Toutes mes circoncisions. Oui, tout à fait. Restez sérieux, paix à son âme. Paix à son âme. On parle quand même d'un double meurtre. Oui. Malheureusement, donc, mon agent a malheureusement perdu son sang-froid, parce que ça faisait malheureusement, il était sous le choc, vu ce qui s'était passé, sachant qu'il y a eu une demi-heure entre la mort de sa femme et les dires de ses agents. Il a malheureusement sorti son arme et tiré dans la jambe d'un agent. Mais ta façon de parler, c'est quoi, mon numéro ? 2 semaines et demie. Vous avez mon numéro là ? Non, mais entre la 30 mort. 30 minutes. Oui, ah oui, non, c'était vraiment à chaud. Oui. Vu que moi je sais que vous êtes des hommes préhensifs, c'est 28-72. Vous avez un cœur. On a un cœur. On en a deux à chacun. Et cet homme est menacé de 10 ans de prison. Il est menacé de perdre son emploi suite à ce qu'il a fait. Ok. Et quelle est la personne qui lui porte plainte, celle qui s'est fait tirer dessus? Les personnes sur qui cette personne a tiré n'ont pas porté plainte, mais l'état-major souhaite porter plainte. Ok, qui est l'état-major, monsieur? Le procureur, le juge, ainsi que... Non, mais le juge n'a pas à porter plainte. Oui, je sais, mais je vous dis de quoi est constitué l'état-major. Bon, c'est une plainte de l'état-major, de ce que j'ai compris. Donc de qui? Il nous faut un nom. Qui a signé la plainte, monsieur? On va partir du postulat que c'est le procureur. Ok, on prend l'affaire, du coup. Voilà, donc moi je sais vous engager, car vous êtes des hommes avec un cœur, et que je pense que vous ne voulez pas que mon agent ayant perdu sa femme perde ainsi son emploi. Exactement, nous ne voulons pas ça. Il y a le procureur, on y va. Très bien, je vous engage. Mais vous aimez bien le procureur, dites-moi. Absolument. Bah vous allez... Attendez, je mange un petit nugget. Bien évidemment. Un nugget Sterling. Oui, mais allez Cooper. Bah vas-y Cooper, prends le relais. Oui, mais bah vous avez raison, voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Merci bien. Non, mais vous avez raison. Écoutez votre cœur avant tout, hein. Nous connaissons la loi, vous inquiétez pas. Car lorsque je vous ai rencontré, vous vous rappelez, vous êtes venu me voir dans les circonstances que votre nièce. Écoutez, nous, est instable, pour régler l'affaire, etc. Pour régler l'affaire, le plus simple, c'est qu'on va dire au procureur de retirer la plainte, et puis voilà. Allons voir le procureur, Cooper. Allons voir le procureur. Mon attaché case, voilà. Bon, attendez. Comment s'appelle l'agent en question déjà? L'agent en question, Miller Pierce. Nous n'arrêtons pas la publicité, Sterling. Vous avez raison. C'est toujours bon, mais on peut se faire connaître. Nous sommes quand même, nous n'avons pas de concurrence, donc allons bout, hein. Oh non, mais ça n'a... As-tu vu de la concurrence, Cooper? Mais attendez, je regarde derrière moi, regarde ce mur... Oui. Je regarde derrière moi, je ne vois pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Vous avez le numéro du procureur, messieurs? Oui, on a son numéro. Je crois que pour le moment, il ne répond pas. Je vous fais confiance, vous serez grassement rémunéré, bien évidemment. Bien sûr. Oui, allô. On se tient au courant, d'accord? René de Benelisco, et vous êtes avocat? Oui, monsieur, je suis avocat, vous êtes? Je viens de le dire, ici René de Benelisco. Oui, mais vous êtes sous alcool, monsieur? Carrément pas. Ah d'accord, excusez-moi, que voulez-vous? Dites-nous. En fait, j'aimerais porter plainte contre la police, mais je sais pas si qu'est-ce que c'est possible. Alors, vous voulez porter plainte contre la police ou le procureur? Le procureur. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le procureur est un con. La police, c'est des cons, mais mieux. Un ils peu moins mieux. Ah bah les deux en même temps alors. D'accord, ils vous ont fait quoi, monsieur? En fait, je vous ai expliqué hier, en fait, moi, je suis patron de l'usine de bière La Déconne. Vous êtes patron de bière La Déconne? De bière La Déconne. J'aime bien ce nom-là. Bière La Déconne, d'accord, oui, nous notons, nous notons. Succulenté. Et du coup, ils m'ont passé commande, ils ont dit on veut 1000 bières pour demain.
De quoi? Bah moi j'ai fait travailler mes hommes, ils ont fait 1000 bières. Et ils vous ont pas payé, c'est ça monsieur? Attendez, oui, du j'attends. Coup après on a mis 30 minutes à faire le trajet avec les gros camtars et tout. Pour qu'une fois arrivés ils nous disent on n'a pas le temps, voyez avec lui. Au final il y avait personne et ils nous disaient de partir alors que c'est eux qui ont commandé et ils ont pas payé. Moi, ça m'a fait perdre de l'argent ici, c'est sûr. Oui, ça vous a fait perdre combien, monsieur? Préjudice, c'est de combien? Alors, je sais pas, mais du coup, j'ai eu du retard sur mes commandes suivantes. Mon petit Sterling, mets ton numéro quand même la prochaine fois. Oui, je me rappelle pas. Oui, ça sera toujours mieux. Comment ça? Ah oui, ça. Non, je parlais à mon associé, nous sommes Sterling et Cooper, avocat au gros baron, monsieur. C'est quoi le barreau? C'est le gros barreau de la justice, monsieur. Vous verrez un jour, vous aurez affaire au gros barreau. C'est entre les deux jambes, quoi. Et croyez-moi, vous avez un baron entre les deux jambes, monsieur. Oui, mais c'est pas la justice. Oui, mais la justice, vous verrez, elle fait beaucoup plus mal. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'agent. Oui, c'est pourquoi? Attendez, je suis au téléphone, bougez pas. Il ne voit pas, mais j'ai une oreille. Il est au téléphone, il a une oreille. Comment qu'est-ce que je fais, du coup? Vous pensez que je peux déposer plainte? Le préjudice, c'est de combien, monsieur? Attendez, je demande à mon associé. Oui. Tu penses que le préjudice, il est de combien par rapport à la livraison de bière? Ouais, 50 000 $, en plus ils ont fait des heures supplémentaires, mes employés là. D'accord, bah dans ce cas-là, il faut que vous alliez porter plainte, monsieur. Et si jamais ils refusent de prendre votre plainte, dans ces cas-là, vous me rappelez. D'accord. Ok, je vous remercie. Moi aussi, je me remercie. Merci infiniment. Remerciez beaucoup, Cooper, remerciez-vous. Ouais, ouais, passez le bonjour à monsieur Sterling ici. C'est ça, monsieur. C'est monsieur Sterling, avocat au gros baron. Ouais, super. Mais je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Passez une bonne soirée, monsieur. Passez une bonne soirée. C'est des hommes comme vous qui font les mérites. Merci, monsieur. C'est très gentil, nous connaissons la loi. Ouais, carrément. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Et c'est vous qui raccrochez. Oui, il faut partir, monsieur. Raccrochez, c'est pas moi. D'accord, hop, voilà. Il voulait que je raccroche, j'ai raccroché. Oui, bien sûr. Il faudrait cependant qu'on rencontre le procureur, qu'on le voit pour l'affaire en question, et sa bonne femme, là, l'avocate parlait aussi. Il faudrait essayer de la joindre, Cooper. C'est tout? Voilà. Bah oui. Là, on est bien. Non, il faut... Mais je vous ai dit juste avant, il faut qu'on parle au procureur, Cooper, et à sa bonne femme. Et je vais l'appeler, bougez. Voilà, moi j'appelle sa bonne femme. Mais sa bonne femme répond jamais. Qui est sa bonne femme? C'est Harley Quinn. Ah oui. Je peux avoir des problèmes, là. Allez, Queen. Voilà, oui, je m'affiche. Oui, bah vous avez le nez bouché en ce moment. Alors, le procureur ne procure plus. Il ne décroche plus à cette heure-là. C'est très compliqué. Et sa bonne femme, c'est pareil, a priori. Ils sont peut-être en train de faire des bébés, Sterling. Tu veux dire du sexe, Cooper? Oui. À base de pénétration. À base de pénétration anal, Sterling. Oh, dis donc. J'imagine bien en train de se faire analyser. Ah bah oui, bah vu la tête qu'elle a, elle peut faire que des bébés par le cul. Oui. Ça pète, ça donne naissance, Cooper. Ah oui, bah c'est toute une famille qui sort quand même aux toilettes. Oui. Voilà, allez. Bon bah voilà, on a fini. C'est terminé. Bah passez une bonne soirée, Sterling. Allez, bonne nuit, Cooper. Allez. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Bon, Sterling. Oui. Allons traîner en ville. Peux conduire, Cooper. Non, Sterling. Direction une petite pompe à essence et ensuite on va se balader. Ça roule, Sterling? On fait ça, Cooper. Bon, pas beaucoup d'affaires en ce moment, hein. Oui, ça m'a l'air calme. En même temps, s'il n'y a pas les... Peut-être pas assez de monde, je ne sais pas. Vous pouvez aller mettre de l'essence, Sterling? Oh, oui, allô? Oui, vous pouvez aller mettre de l'essence? Allô, oui. Oui, je vous appelle. Oui, bien sûr. Ah, par rapport au contrat d'avocat. Oui, alors, laissez-nous expliquer comment fonctionnent un petit peu les 16 parties des tenants d'avocats par rapport à la loi, monsieur. Alors, tout d'abord, il faut prendre en compte que la loi, c'est quelque chose de rigide, mais d'assez souple, qui permet de toute évidence une interprétation qui est fonctionnelle. Fonctionnelle. Oui, voilà, c'est le mot, monsieur. C'est fonctionnel. Tu es en train de mettre de l'essence, Cooper? Oui, Sterling. D'accord. J'arrête mon cinéma, là. Ah, c'était une blague? Non, c'était une esquive, Cooper. T'en as eu pour combien? J'en ai eu pour $50, Sterling. Ouais. La prochaine fois, il faudra que tu fasses le plan. Oui, bien sûr, Cooper. N'oublie pas que quand je me fais flasher, c'est moi qui paye. Mais c'est votre voiture, en même temps. Bah, c'est notre voiture. Mais vous savez bien qu'à chaque fois que vous avez les mains dessus, vous la mettez dans un fossé. Regardez, là, je touche le clignotant. Il se passe quoi? Arrête, Sterling! Sterling! Non, oui, vous voyez, bah arrêtez, Sterling, c'est pas possible. Mais je ne sais pas ce qu'ont les voitures avec moi. Mais oui. Oh là là, attends, oh, regarde ça, Cooper, un accident. On est témoin. Bonjour, monsieur. On est témoin. Moi, dans le cul.
D'accord. Ça parle de cul. Messieurs, soyez prudents sur la route, s'il vous plaît. Ça marche. Soyez prudents, messieurs, hein. Monsieur, soyez prudents sur la route. Ouais. Faites attention, oui, vous avez déjà vu que vous êtes un peu défiguré, ça serait dommage de voyer. Voilà. Comment ça, je suis déjà assez figuré? Vous n'avez pas une un faciès très... Non, vous n'êtes pas figuré, au contraire, voilà. c'est le contraire. Voilà. Vous conduisez un petit peu... Vous permettez, pourquoi vous me dites ça, là? Non, mais c'est pour vous dire de faire attention sur la route, monsieur. Faire attention, monsieur, vous avez fait une tête à poisson. Bah oui, nous connaissons la loi, et là, de toute évidence... gardez votre langage. Merci de ne pas rester en plein milieu du passage. Bah oui, monsieur, restez pas en plein milieu du passage, écoutez la police un peu. Monsieur, écoutez la police. Et merci bien. C'était poli aussi. Pardon, monsieur. Parce que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous casser la gueule et voilà. Monsieur, nous connaissons la loi. C'est quoi cette menace, monsieur? Oh, j'ai pas rigolé depuis longtemps aujourd'hui. Non, c'est juste, je vous dis, moi je suis gentil, moi. Moi, je suis très gentil. Mais vous allez tomber sur quelqu'un. Ah, mais non, mais vous êtes très gentil. Il va pas parler. Nous sommes avocats au gros barreau, mais c'est vrai. Nous sommes avocats au gros barreau, monsieur. Personne. Ah, il y en a, ils s'en foutent, hein, avocat ou pas avocat. Oui, mais vous, c'est vrai que vous êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Vous, voilà, c'est pas vous qui. Voilà. Vous voyez que. C'est-à-dire que. Par rapport à vous, voilà, vous voyez, monsieur. De quoi, par rapport à vous? Mais vous savez, par rapport à votre visage, par rapport à ce que vous dites, tout ça, c'est pour ça. Mais oui, il faut faire attention, monsieur. Hein. Passez une bonne journée, monsieur. C'est des avocats qui voulaient tuer le procureur. Non, quoi? Personne ne veut tuer personne ici, monsieur. Le meurtre est interdit, monsieur. Comment ça, vous voulez tuer le procureur? Ils étaient pour, hein, ils étaient pour. Qui êtes-vous, non, monsieur? Non, on était sous la contrainte d'une arme. Le procureur, c'était un de mes potes. C'est un de vos potes, le procureur. Ouais. Les choses s'expliquent, Cooper. Comment ça, les choses s'expliquent? Merci, passez une bonne journée, monsieur. Au revoir, monsieur. Allez. De toute façon, personne croira des preneurs d'otages. Tu veux qu'on aille s'excuser, peut-être? Oui, allons nous excuser, Cooper. Regarde, c'est pas une voiture en feu, ça, Sterling? Où tu vois une voiture en feu? Tu ne vois pas? Ah oui, en fumée. Une moto en fumée, oui. Est-ce que tu veux que j'essaye de la trimballer? Non, Sterling. D'accord. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Monsieur. Madame, monsieur, messieurs. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Nous avons une question. Oui. Nous recherchons justement une chauffeuse de taxi qui aurait commis plusieurs infractions et nous connaissons la loi, madame. Et nous connaissons la loi, madame. Je me présente déjà. Sterling Cooper, avocat au groupe Barreau, madame, enchantée. D'accord, enchanté, maître Weavers, avocate au barreau. Non, vous êtes taxi, madame. Vous êtes taxi. Vous êtes taxi woman, madame. Non, je suis avocate. Non, vous êtes taxi. Vous êtes dans un taxi, madame. Au bord d'un taxi, quand on conduit un taxi, on est taxi, madame. On est taxi. Vous êtes bien au bord d'un scénic, mais vous êtes avocat. Voilà, tout à fait. Bah oui. Et nous, c'est pas un taxi, madame. On connaît la loi. Très bien. Bonne soirée, messieurs. Elle est bizarre. Rattrape-la, celle-là. Rattrape-la, Cooper. Elle ne connaît pas la loi. De toute évidence, il faut qu'on lui fasse un rappel à la loi. Il faut qu'elle comprenne. Je pense qu'elle a volé un taxi. Je pense qu'elle a volé aussi un taxi. Je pense qu'elle a volé le métier d'avocat. Allô, maître Cooper. Oui. Oui, monsieur Montmirail, à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur Montmirail. Oui, je viens d'avoir monsieur Yves Lafle, donc monsieur le juge. C'est bon pour mardi 22h. C'est bon, bah c'est très bien, c'est noté alors. Parfait, bah écoutez, je vais en tenir à informer votre client ainsi que les autres parties. Oui, très bien. À très vite. Délite fuite, très bien, bah parfait. À lundi, 22h. Mardi, oui, mardi, vrai, monsieur Cooper. Mais on vient de se faire rentrer dedans, je suis perturbé, monsieur. Ah oui, il n'y a pas de souci, je voulais gérer ça. Oui, à très vite. À très vite, oui. Grove Street, Police Department. Madame, vous nous êtes rentré dedans, madame, c'est pas bien madame, ça. Comment madame. Vous venez de faire un accident, madame. Monsieur la police, j'ai un problème avec cette femme. Ouais, nous allons plus un délit de fuite, nous allons porter plainte, madame. Ben oui. Bonsoir, madame. Je vais parler avec la petite dame. Venez voir, petite dame. Voilà, il s'avère que cette contrevenante d'emploi... C'est une contrevenante d'emploi, madame. Monsieur, il s'agit qu'elle était à bord d'un taxi, elle-même étant avocate de prison. Donc voilà, tout ça pour dire que... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah, dites-nous tout. Oui, mais voilà. Nous parlions à la dame, elle nous dit qu'elle était à bord d'un taxi, elle nous disait qu'elle était à... Monsieur l'avocat, on est en train de parler à madame, donc retournez là-bas avec les deux autres agents. Oui, est-ce que cette dame est avocate, monsieur? Je n'ai pas... Enfin, surtout que j'ai la flemme de regarder les registres ici. Oui, il faut regarder les registres, monsieur, parce qu'être avocate donc, et conduire un taxi, c'est pas légal, hein, monsieur. Je regarderai tout à l'heure si jamais elle n'est pas avocate et tout, mais là, pour l'instant, monsieur, j'écoute la dame à dire, donc retournez là-bas. Monsieur, vous cachez quelque chose, je pense. Ne soufflez pas comme ça, monsieur, tout de même, vous voyez ce que je veux dire, les odeurs... Ouais, les odeurs et tout. Voilà, oh, monsieur, je me fais tirer dessus à longueur de journée et tout. Comprenez-moi que là, j'ai pas envie de regarder. Oui, on comprend, monsieur. Nous connaissons la loi, nous comprenons. Coup d'effet. Non, ne vous inquiétez pas, on connaît la loi. Madame, baissez-vous, c'est des coups de feu. Madame, baissez-vous, on vous protège. La loi nous protège, madame. On vous protège, madame. Qu'est-ce qui se passe?
Des coups de feu, madame. Des coups de feu, madame. Ils veulent vous tuer, madame. Ils veulent vous tuer. Baissez-vous, courez, madame. Je ne sais pas. Baissez-vous. Sterling, je te raconte. Soyez prudent, Trooper. Soyez extrêmement prudent. Soyez prudent, c'est certainement des malandrins. Je pense qu'ils ne connaissent pas bien la loi. Ah oui, en effet, il y a une interception. Là. Il y a interception, Sterling. Il y a interception. Les policiers, les quatre policiers dans la voiture, on est d'accord, Sterling, qu'ils avaient l'air un petit peu bas de gamme, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'était des policiers. De merde, c'est ça, AliExpress, oui, si vous voulez mon avis. Oui, bien sûr. Madame, faites attention, madame. C'est madame, madame. Elle n'en fait qu'à sa tête, Sterling. J'ai envie de lui en mettre une. Mettons-lui en une. Allons-y. Une petite cartouche, ça fait jamais de mal, Cooper. T'as un moment où je dis. En plus, au moment où je dis, je me fais. C'est très bizarre, ça.